ces poteaux d'environ 5 mètres de longueur qui transportent environ une charge électrique du courant qui alimente une grande partie de l'avenue Sokele a subi la pression des dernières pluies qui s'est abattue sur la ville. Impossible pour les conducteurs des véhicules de traverser et les dangers d'électrocution deviennent permanents. Dès le soir, il y a les érosions ici chez nous, à Kamanyola, et puis il y a les poteaux, pas seulement ça. Il y a un bon nombre de poteaux qui sont tombés ici, parce qu'ici, il y a beaucoup d'érosions ici. Et... Non, depuis avant-hier, il y a coupure, donc il n'y a pas les courants depuis avant. Actuellement dépourvue de l'énergie électrique, la population crie au secours auprès des autorités de la SNEL. D'arranger un peu pour nous ici, parce qu'ici, il y a beaucoup d'érosions ici. Et aussi, il y a beaucoup de... Nous demandons aux autorités de jeter un coup d'œil ici. Regardez, même les véhicules ne passent plus suite à cette situation. Et nous, les passagers, on a peur d'être électrocutés. Lors des dernières pluies, plusieurs coins de la ville ont été impactés, dont certains câbles de la SNEL ont payé le prix.